Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Aujourd'hui, on s'intéresse à Mabox Rugby. C'est un service français qui te propose des produits spéciaux pour le rugby. Je vais te donner mon avis honnête sur chacun des produits et sur le concept en lui-même. Mabox Rugby, c'est une entreprise française. C'est créé par un jeune entrepreneur qui s'appelle Dimitri et qui propose des produits eux aussi français. Donc là, je vais te faire le détail des produits de la box de février 2021. Faut savoir que tu as une box tous les deux mois. Là, je vais te faire la review de la box de février et ça veut dire que la prochaine box, elle sera en avril. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai réussi à avoir un code promo pour vous, spécialement pour la communauté de la chaîne. Quand vous allez sur le site, vous pouvez mettre le code de réduction qui s'affiche juste ici et vous aurez une réduction sur la prochaine box qui est la box d'avril. Donc on n'est pas vraiment sur un placement de produit. Le fondateur m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé pour faire une collaboration. Comme c'est des produits et un concept qui colle à l'esprit de la chaîne, j'ai accepté de faire cette review. Sans plus tarder, on commence la review des produits. Déjà, première chose, on est sur des produits vraiment intéressants pour les joueurs de rugby, je trouve. Les produits varient tous les mois, mais cette box en particulier, moi, je l'ai beaucoup appréciée. Déjà, les tapes. Donc là, Compex, marque française également, produit en Europe. Quelque chose d'important à mes yeux, je pense, de soutenir un peu le pays comme on peut, et surtout des marques françaises quand elles font du bon travail. Bon, à quoi ça peut te servir d'avoir des bandes comme ça en tant que joueur de rugby? C'est quelque chose d'assez commun dans ce sport-là d'utiliser ceci. Ça permet de réduire les tensions au niveau de certaines zones musculo-articulaires. Moi, personnellement, j'en ai utilisé que très récemment. C'était la première fois que je l'utilisais, c'était pour ma fameuse blessure à l'épaule. Et ça permet en fait de soulager, que ce soit au repos comme à l'effort, la zone où il y a des tensions. Donc voilà, donc vous tirez votre bande, vous avez une partie adhésive qui va venir se placer sur la peau, donc c'est cette partie-là. Il faut enlever la partie blanche qui protège, qui évite que la bande se colle. Je suis pas expert, je suis pas soigneur, donc je vais pas vous montrer comment poser des bandes en vidéo, mais sachez qu'il y a plein de vidéos sur YouTube. De ce que je sais, c'est surtout en anglais, mais c'est très bien expliqué et vous pouvez voir en détail comment poser des bandes. Ça peut vraiment vous être utile si vous avez été blessé récemment, comme moi je l'ai été. Faut savoir que dans chaque box, on va avoir une variation entre les types de produits. Des produits typiquement pour le terrain, des shorts, des maillots, des équipements et des produits plutôt axés nutrition, récupération ou amélioration des performances. C'est le cas d'ailleurs des prochains produits que je vais vous présenter. Chewing gum énergisant, One Gum, là encore, produit français. Alors j'en ai goûté un, c'est assez bon, c'est comme un vrai chewing gum et le goût tient assez longtemps. On est sur un goût menthe et on est à 50 mg de caféine par chewing gum. Donc c'est à peu près ce qu'on peut retrouver dans une petite tasse de café en moyenne. Donc c'est vraiment utile pour ceux qui n'aiment pas le café ou qui n'ont juste pas le temps de prendre du café sur le moment, le jour du match ou avant l'entraînement par exemple. Manger un ou deux chewing gum, ça permet de remplacer entre guillemets un apport en caféine qui proviendrait du café par exemple. Je connais pas tellement les taux d'absorption de caféine, que ce soit avec un chewing gum ou avec un café, en quoi ça diffère. Et on a en plus des vitamines B, B3, B6 et B12 qui contribueraient également à réduire la fatigue. Là-dessus, je suis pas vraiment un expert, donc je vais pas vraiment me prononcer. Par contre, pour ce qui s'agit de la caféine, si on a un taux d'absorption au moins égal à celle de la tasse de café, c'est un apport très intéressant, les 50 mg, sachant que le chewing gum est vraiment petit, donc c'est vraiment quelque chose de très pratique à avoir sous la main, que ce soit juste avant le match ou avant l'entraînement. Ensuite, la barre protéinée Food Spring. Là, je peux vous la montrer parce que je l'ai mangée. Déjà, pour vous dire un peu le goût, la texture, etc. Ce qu'il faut savoir avec les barres protéinées, c'est que souvent, on a quelque chose d'assez dégueulasse. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que on cherche à réduire le sucre, augmenter les protéines ou quoi. Moi, j'ai déjà eu l'expérience de manger des barres protéinées avec des goûts assez mauvais, une texture vraiment collante, épaisse, qui les rend vraiment dures à manger. Là, honnêtement, c'était plutôt bon. Ça allait, la texture était intéressante, ça faisait quelque chose de pas trop lourd. Alors, en même temps, avec des apports assez intéressants en termes de nutrition, je vous mettrai la petite vidéo avec les macros juste ici pour que vous voyez un peu plus. Mais voilà, niveau goût, c'était plutôt pas mal. Ensuite, on arrive à mes produits préférés. Je vais commencer par le pull Colron Force 15. On est sur un esthétique assez minimaliste. Un pull très bien coupé, assez confortable, qui peut vraiment être utile pour le jour de match, à l'échauffement
ou même aussi à l'entraînement. C'est ça que je trouve bien avec ce concept de box, c'est que là, tous les deux mois, tu vas recevoir un nouvel équipement et ça va te coûter vraiment moins cher que si tu l'avais acheté lui tout seul. T'auras l'équipement en question, le vêtement en question, avec d'autres produits. C'est pour ça que j'apprécie d'autant plus le concept. Force 15, on a affaire à une marque française qui produit des vêtements spécialisés pour le rugby, et ça me plaît également. Dernier produit, produit récupération, la bière blonde Gaillard. Bon, là on est vraiment sur un produit sympa, la brasserie Gaillard, brasserie française qui produit de la bière française. Très bon, très bonne initiative d'avoir mis ça dans la box, parce que bon, c'est bien d'avoir des trucs pour la performance, mais il faut aussi des trucs pour après, pour la récup. Là encore, j'apprécie d'avoir quelque chose français produit en France dans l'esprit rugby et d'avoir ça délivré chez moi tous les deux mois. Autre chose que vous pouvez acheter sur le site de ma box rugby, c'est le pack d'entraînement solo. Dimitri a été sympa de m'envoyer ça également. Une petite gourde avec en plus le logo ma box rugby, donc petite gourde sympa. Et c'est ça qui est plaisant avec ce concept. C'est que t'as pas besoin d'acheter les trucs, c'est directement livré chez toi tous les deux mois. Le ballon de skill solo, donc là c'est pour s'entraîner tout seul. Donc je vous ferai une vidéo également, pas une review cette fois, mais plutôt comment l'utiliser, en quoi c'est intéressant, et j'essaierai de vous sortir ça d'ici la semaine prochaine. Donc si vous voulez soutenir un entrepreneur français qui met en avant des produits français pour le rugby, non seulement ça peut vous aider à améliorer vos perfs, votre récup, et en plus vous n'avez pas besoin de vous embêter à aller acheter les trucs. Si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à un proche, utilisez le code de réduction, c'est pas un lien affilié, c'est que pour vous, vraiment pour avoir la box d'avril moins cher. Tu veux vraiment booster tes performances sous le terrain, améliorer une qualité physique, prendre du muscle, perdre du gras, rejoins le coaching privé Barbell où je te fais une planification spécifique pour le rugby, des séances variées et personnalisées. Clique sur le lien en description et d'ici là, je te dis à la prochaine.